Hey, QQV Petit QV, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord et Lady Challenge où on retrouve, eh bien, notre petit couple encore jeune et qui ne va pas encore commencer à faire des bébés, mais bientôt, vous inquiétez pas, dans leur nouvelle demeure, dans la génération bourgeois. J'espère, en tout cas, vous avez l'air d'avoir apprécié ce début de nouvelle génération et j'en suis ravie, sachant que, bah oui, on débute dans une nouvelle maison, etc., etc. Des nouvelles règles, une nouvelle façon de gagner sa vie. Et donc, bah voilà, maintenant, notre objectif, c'est d'attendre que Gaspard devienne adulte. Ouh, ça va pas tarder. Oui. Et cette fois-ci, je vais essayer de pas oublier l'anniversaire pour pouvoir le fêter. Bon, rien ne va plus encore une fois pour Adélie, hein, puisqu'elle a perdu son tonton et son père, tandis que nos fleurs continuent de pousser tout doucement ici. Bien sûr, ce ne sera pas assez pour subvenir à nos besoins, donc je pense qu'il va vraiment falloir qu'on trouve d'autres fleurs, parce que sinon ça va être compliqué. Et j'étais en train de me dire, vu que le soleil arrive comme ça, j'aurais peut-être dû les mettre ici ou là, les fleurs, ça aurait peut-être plus sympa. Et nous voilà avec des nouveaux fossiles qu'on pourra revendre à la fin de la semaine. Un bidule fossilisé à 175 quand même. Et un cassé. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Bon, Adélie prend son bain, mais la joie n'y est pas quand même, hein. D'accord, tout va bien. Allez, il est temps de commencer l'art et la peinture. J'ai envie que Gaspard s'y mette. Voilà. Alors, pour cette génération, c'est que les petites toiles qu'on pourra revendre. Donc, bon, faut investir 50 simflouz quand même à chaque fois. Mais ça peut rapporter gros au bout d'un moment. Donc, il faut bien se lancer à un moment donné. Et puis, avec un tel environnement champêtre comme celui-ci, c'est vraiment agréable. Bon, bah, et puis, dis donc, des tomates et un... quoi, une pastèque? Non, c'est pas une pastèque, ça, c'est quoi? Enfin, bref. C'est pas mal pour une première. 48 simflouz. Bon, on a perdu 2 simflouz dans l'histoire, mais moi je trouve que c'est pas mal. Pendant qu'Adélie se remonte le moral et se divertit surtout en jouant au jeu de fer à cheval. Et ça, c'est cool. Et nous voilà à la chapelle du village. Alors, c'est pas un lieu auquel on a beaucoup été, puisque bon, on n'avait pas forcément quelque chose à y faire. Vous savez, ce sera ici que les enfants d'Adélie et Gaspard se marieront. Bien sûr, si ils se marient avec quelqu'un de la classe noble, hein, évidemment. En attendant, on ne peut pas encore les marier ici. Vous voyez, il y a même la salle de banquet qui est prête, hein, voilà. Mais on a aussi le cimetière où repose depuis déjà un moment notre Mathurin. Bien sûr, je n'ai pas trop trouvé la tombe de Petronille, mais je vais essayer de bidouiller pour en ajouter une, puisque quand même, ça reste pépé. Ça reste Pétro, hein? Et on va en profiter pour mettre bien la tombe d'Amédée. Tout simplement parce que il est temps aussi pour Amédée de reposer. On va le mettre où Amédée? Bon, il reste encore de la place, hein, vous pouvez les mettre un peu où vous voulez. Modifier, rajouter des fleurs. On va mettre Amédée ici. Je me dis que ça peut être une très jolie place. Voilà, Amédée est maintenant ici. Et on va aller renforcer la connexion physique et faire son deuil. Voilà, de toute façon, elle est déjà triste, alors on n'est plus à ça près. Oula, il se passe des trucs ici, hein. C'est chelou, hein. Voilà. Bah oui, hein, bah oui, bah oui. C'est Amédée, quoi. Il avait un peu ses fans parmi vous, les abonnés, donc on comprend. Mais bon, pour l'instant, ils sont jeunes et beaux, ceux-là, et ils nous ont pas encore fait de bébé. Donc pour l'instant, il faut pas trop pleurer. Tiens, mais qui on croise ici? C'est Hildegarde. Hildegarde qui est un petit peu tristoun aussi, hein. Alors que Gaspard s'est senti inspiré pour nous refaire une deuxième toile. Oh! Eh, 69 simflouz. Vas-y, tu vas me la mettre dans l'inventaire, mon coco. On va la revendre, ça va être sympa. Radgonde, regarde. Adélie, ta maman est là. Ah bah oui, ça fait bizarre de la voir vieille hein, maintenant, mais Radie est là. Peut-être qu'elle vient aussi rendre hommage à son mari. Et elle se dit, peut-être qu'avec de la chance, je pourrais être à côté, pas comme ma mère qui a loupé le coche. Oui, Gaspard, viens dire bonjour à belle-maman quand même. Voilà, comme ça, c'est bien. Tu vas essayer de la réconforter, belle-maman.
Lui, il est tellement jeune, beau et fringant. Psst, à côté de Radhi. C'est triste un peu. Bah, je sais pas qui c'est celui-là, mais c'est gentil de te repentir, de te recueillir devant la tombe d'Amédée. Qu'est-ce que tu fous là, toi, meuf? On te connaît pas? Oh, t'es sympa, mais on te connaît pas. Je voulais les mettre au milieu de ces pierres-là. J'ai dit, mais en fait, on a aucune interaction. C'est dommage. Hein. Mais c'est vrai qu'elles sont intrigantes, ces pierres-là, dressées comme ça, au milieu de la campagne. De retour à la petite maison, après un petit passage quand même. Voilà. Salade du jardin, mais écoute ma cocotte. Tu vas t'y faire, lui va aller jouer. Voilà. C'est bien. On reprend les bonnes habitudes. C'est vrai qu'aller voir tous les deux, on se dit que quand même la vie est très calme pour l'instant. En attendant, Gaspard m'a refait une superbe toile, qualité médiocre. À 76 flous, c'est sûr, celle-ci, on la vendra, hein, on va pas les garder. Et c'est de nouveau le matin, sur Wiedenburg et sur notre petite maison. Grande maison, non, ça va, on est sur quand même une belle demeure de bourgeois. Gaspard ne clignote pas encore, mais il va bientôt fêter son anniversaire et devenir un jeune adulte. Oh oui! Rien de mieux au bon matin de s'occuper des fleurs, de récolter, d'arroser. Voilà, je pense que pour l'instant, on va se contenter de ces fleurs-là. Voilà. Et puis, on verra si nous... On peut se sacrifier 56 flous pour aller dans un autre monde. Pour pouvoir récolter éventuellement d'autres. Il n'y a pas de raison. Hein. Adélie va se mettre aussi à faire un peu de peinture. Pourquoi pas, après tout. Sachant qu'on est samedi, donc demain, on va devoir vendre toutes nos petites productions. Donc autant mettre toutes les chances de notre côté. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais arrête de rire comme une démone! Voyons! Allez, tu me fais des... Oh, j'ai l'impression que ce sera une petite fleur. Bon, j'espère que ça va pas attirer les abeilles folles furieuses de chez tes parents. Parce que bon, faudrait pas être non plus atteint d'apiphobie. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah! Oups! Ok. Oh, la jolie petite fleur! Allez, tu peux la mettre dans l'inventaire. Bon là, petit Gaspard, il galère, hein. Il galère à réparer, ça se voit qu'il avait jamais touché à la tuyauterie de sa vie. Hein. Oui, il est cracra parce que il a fait un petit footing. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. Il va s'en sortir. Du coup, elle nous fait les mêmes tomates et je sais que vous allez me dire dans les commentaires ce que c'est, ce truc-là, là. Ou un énorme avocat, je ne sais pas. Et du coup, elle vaut 65 simflouz. C'est top. Allez, tu vas m'en refaire. Attends. Oh, le paysage, c'est 100 quand même, hein. C'est 100 simflouz. Hein. Allez, on va investir là. Il nous en reste 500. Pour demain, on va renflouer les caisses. Du moins, je l'espère un petit peu. Mais je suis bête. Les paysages à 100 simflouz, on peut pas les vendre. Bon, bah, c'est pas grave. Ce sera pour la décoration de la maison. Oh, je suis un peu bête. Aïe. Bah, du coup, lui aussi, il a envie d'aller peindre. Tu veux peindre quoi? Non, mais je préfère faire contrôler ce que tu fais. Donc, tu vas me peindre, d'accord? Toile classique à 50. Vas-y. Tu peux y aller. Il va falloir faire la lessive. Oh, déjà niveau 3 de la compétence peinture pour Adélie. Par contre, ce que tu nous fais, ça a l'air d'être très laid. Hein? Donc non seulement je pourrais pas la vendre, mais en plus je serais un peu obligée de l'exposer. Pour être sûre de pas oublier que je puisse la vendre. Et en plus, c'est un truc pourri. Je suis ravie. Et Gaspard, lui, nous a refait ça. Oh, 101 simflouz. Mon petit, t'es inspiré, tu vas m'en refaire. Allez, vas-y. Fais-toi plaisir. Je te sens artiste dans l'âme, Gaspard. Vas-y. Ouais, eh ben c'est pas terrible, ma cocotte. Ah, mais attendez, elle peut déjà peindre d'après une photo de référence. Bah vas-y, on va prendre une photo, je sais pas, moi, du jardin. Ah oui. Ah non, mais celle-là, sans simflouz, est super. Mais c'est sûr qu'on la vend, hein. Alors tu vas me refaire une petite classique, s'il te plaît, à 50. Bah écoutez, elle va prendre elle va essayer de reproduire sa maison, sa nouvelle maison sur sa petite toile. Je sais pas ce que ça va rendre, on verra bien. 106 simflouz pour celle-ci. Eh bah je prends, parce que si tu doubles les intérêts qu'on monise, c'est bien. C'est-à-dire que là, on est plus très riche, hein. On est à 200. J'ai beaucoup dépensé. Mais si on peut les réinvestir, il faut tenter le coup. Oh, mais ça donne tellement bien! Elle est tellement mignonne cette toile. Allez, tu peux la mettre dans ton inventaire. Vas-y. Et pour une dernière, on va la faire à 56 flouz. En normal. Et on verra bien. On espère, on croise les doigts.
Et en dernier, un superbe lama à 129. Et la dernière toile à 114 simflouzes. Bon, bah on croise les doigts. Ce qui est bien, c'est que maintenant, bah, ils ont pas mal de choses pour se distraire à la maison. Dont le jeu du lama, hein, avec évidemment le jeu du fer à cheval et la bibliothèque. On sent vraiment une évolution par rapport au Flaubert qui n'avait, ben, strictement rien. À part la pluie ou la neige. Ah bah elle est contente, elle a gagné la coquine. C'est bien Gaspard. Il a été chercher... Ouais, une nouvelle grenouille. Il a été élever des trucs. Chercher des trucs dans la terre et tout ça. Hein, pour qu'il puisse, pour qu'on puisse avoir des petites choses à vendre, quoi. Tout simplement. Et il a trouvé des grenouilles. 100 Simflouze la grenouille. L'argent. Oh oui. Oh oui. Ça, je veux bien. Allez, il est temps pour toi, Gaspard, de te coucher. Et puis, ouh là là, tu clignotes. Demain, on va pouvoir fêter ton anniversaire. Allez, ça commence pour Adélie. Ce dimanche commence bien puisqu'elle va faire la lessive. Et ouais, ça commençait à puer sévère dans le panier, donc voilà quoi. C'est parti, mon zizi. On s'occupe aussi des plantes, évidemment. Puis après, tranquillement, une fois que les tâches seront faites, on va pouvoir inviter la famille pour l'anniversaire de Gaspard. Mais qu'est-ce que... Mais Adélie, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Comment tu t'es coincée là derrière? T'as accroché le linge, tu t'es mis n'importe où. Bah, super, bravo. Oh, tiens! C'est Godefroy qui nous rend visite! Mais c'est trop cool! Coucou, Gogo! Goddy! Gogo, Goddy, n'importe quoi! Mais qu'est-ce que... Oh non! J'ai encore loupé l'anniversaire de Gaspard! Et lui, de colère, il a renversé la poubelle! J'étais en train de faire le gâteau! Mais non, c'est pas vrai! Oh, Gaspard a vieilli et il sera autre que machine à danser et qui aime la musique. 1, 2, 3, membre d'un groupe de potes. Et c'est donc gros dommage. Mais le voilà, fin prêt. Bah, pour se marier avec Adélie, quoi. Oh là là, c'est dommage. Ce beau gâteau qui retournera dans son frigidaire. Bon. Bizarrement, il y a du monde à l'intérieur de la maison. Bah, vu que j'en ai pas pu faire l'anniversaire, j'ai quand même voulu faire venir un peu bah, la famille. Du coup, bah, tout le monde va faire connaissance. Puisque bah, dès l'épisode prochain, je pense qu'on va passer le mariage. Et Hildegarde a vieilli d'un coup. Oh, c'est tristesse quand même. Mais qu'est-ce que... Ok! Alors lui, c'est papa. C'est papa Beaver. C'est le papa de Gaspard. Et qui joue de la guitare. Enfin, en même temps, la mère de Gaspard avait déjà joué de la guitare. C'est les bourgeois, ça se sent. Bon, il y a encore du monde ici. tu vas dire bonjour à Lali, tu vas dire bonjour à Jonathan, tu vas dire bonjour à Julien également. Il y a Pernille qui est là, Séraphine, enfin bon bref, pas mal de familles. Hein. Ok, d'accord, c'est une cacophonie. Alors elle, je sais pas comment, Véronique Auger, c'est la fille de Cunégonde. Qui a une guitare, et Jonathan, qui est aussi un artisan, et il avait un violon carrément, lui, c'est cool. Il y a tellement de monde dans cette cuisine que je n'arrive même plus à savoir où sont les Sims que je gère. Ah bon, ça y est, ça se décante un peu, et pendant que ça discute et ça fait connaissance, et ben moi je vais revendre les choses, hein. Donc on est à 91 Simflouzes. Oh la vache, on a vraiment plus grand chose. C'est parti, on va vendre, alors, on a 3 grenouilles à 10 Simflouzes, c'est parti. Nous avons des grenouilles à 100 et 120, ouais, on va revendre que les grenouilles à 10, parce qu'il y en a qui se valent des sous, voilà. Là, comme ça, hein. On va en garder quelques-unes. Voilà, parce que 100 simflouzes x 125, c'est quand même cool. On a eu une hématite, on vend aussi. On a un élément, je vais le vendre également. Les mufliers, je les garde. Les hyacinthes, on les vend 256 simflouzes en plus. Des toiles, bah écoutez, on en refera, c'est pas grave, mais là on a besoin de sous. Donc 335 simflouzes. Alors ça, tu vas le vendre également. Clac. Tu vas m'ouvrir ce fossile. C'est une pierre préhistorique qui vaut pas grand chose. Ok. Pour Adélie. Ah non, il en reste un encore ici. Un, hop, je le vends. C'est le bordel hein, dans la maison. Mais bon, au moins. Au moins les gens en discutent et tout ça. Voilà, c'est la famille quoi. Ils vont se revoir la semaine prochaine. Ça va être l'anniversaire. Non,
Le mariage, que dis-je? Donc, au moins, ils discutent. Chez Gaspard, on a une grenouille ici, Addisimflouz également, clac. 100 et 125, je les garde pour l'instant. Je vends celle à 10. Il y a un bébé qui... Ah oui, c'est le petit Sébastien. On va aller le voir après. Le fils de Godefroy. Nous avons... Ça et ça, on va les vendre. 370, oui. Nous avons une améthyste, je la vends également. Et nous avons 62 jacinthes, 232, c'est bon. Et cette toile à 634. Et ben, je trouve que c'est pas mal. Ah oui, c'est même super. Regardez, on a monté à 2386 simflouz. Ça fait qu'on a gagné presque 2300 simflouz. Auquel, bien sûr, on a toujours la part du Seigneur à rembourser. Je vais faire ça tout de suite. Regardez-moi ça! Oh là là, le petit Sébastien, le fils de Séraphine et notre Godefroy. Oh, il est trop chouchou. Il a le cheveu brun de papa et les yeux verts de maman, il me semble. En tout cas, le papa avait les yeux verts aussi. Il est absolument trop choupi. Revenons à nos moutons et à nos comptes. Nous avons fait... un gain de 2295 simflouz, auquel nous devons 30% au Seigneur, qui est une part qui égale à 688 simflouz, ça fait qu'il nous reste 1698 simflouz. Voilà! Et j'avais très très peur, mais finalement, tout ira bien, on pourra financer le mariage. Ce sera pour la semaine prochaine. Oh non, regardez ça! Ils s'en vont tous! Oh non, c'était cool de voir tout le monde. Vraiment, c'était sympa. Comme ça, tout le monde a pu faire la connaissance avec les uns avec les autres, du côté de Gaspard et du côté d'Adélie. Et puis, ce ne sera que mieux pour l'avenir. Adélie, tu as dit bonjour à ta belle-sœur quand même, non? Tu lui as pas dit bonjour. Bon, elle est vénère, hein. Mais t'inquiète, elle va se calmer. Oh, le coquinou! Il profite... Il profite qu'il y ait un peu moins. Ah bah dis donc, c'est au quart de tour, hein, Adélie. qu'il soit enfin un peu plus seul pour... ma chérie, je t'offre une rose. D'ailleurs, il nous en faudrait des roses dans notre jardin. Hein. Ce serait cool. Ah oui, ça craint un petit peu quand il y a de l'orage qui pète, qu'il faut aller aux toilettes de l'autre côté. Oh, mais t'as été élevée comme ça, ma cocotte. T'as l'habitude, hein. Oui. Allez, ma belle, il est temps pour toi d'être couchée, Gaspard. Reprends sa banquette. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine, vous pourrez dormir enfin ensemble. Pour l'instant, on ne peut pas. Le suspense restera entier. Le mariage arrive à grands pas. Et qui dit mariage, dit aussi premier crac-crac et premier noubou en route. Du moins, on l'espère. Moi, je vous fais des très gros bisous. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter et partager la chaîne sur les réseaux sociaux. Je vous remercie énormément. Des gros bisous. Ciao.